Notre aventure commence par le désir d'une rencontre, et cette rencontre, elle se construit autour d'un projet, le diocèse vert. J'ai commencé ce projet de diocèse vert et je suis allé donc déjà trois fois à Clermont en parler avec Monseigneur Caliste et surtout j'ai dit j'aimerais que vous voyez avec les prêtres, les laïcs, ce que nous attendons par diocèse vert et montrer un témoignage de communion entre Église, Église de France et Église de Madagascar. Le diocèse d'Antsiranana, comme beaucoup de diocèses malgaches, souffre d'une déforestation. Et aujourd'hui, Madagascar manque d'arbres. Il nous a paru intéressant de participer au reboisement, à la reforestation de Madagascar en général, et en particulier donc d'Antsiranana et de son territoire. Nous devons aussi nous rencontrer, nous devons nous parler, nous devons vivre des choses ensemble. Donc cette semaine va être une semaine d'immersion dans ce diocèse que nous ne connaissons pas encore vraiment. Nous devons aussi, bien sûr, vivre cette mission universelle en rencontrant vraiment les personnes, apprendre ainsi à mieux nous connaître et, qui sait, peut-être dans l'avenir, fonder un véritable jumelage entre le diocèse d'Antsiranana et le diocèse de Clermont. Tout projet se bâtit en équipe. C'est pourquoi j'ai voulu constituer une petite délégation, un prêtre du diocèse, trois personnes de l'enseignement catholique, deux communicants aussi, car il faut que ce projet soit connu le plus loin possible, et puis un ancien coopérant qui avait passé déjà 2 ans à Madagascar. Il y a un peu de vent, hein ? Oui, c'est bien. Arrivé à l'aéroport, nous avons été accueillis par Monseigneur Benjamin Ramarosen, qui est l'évêque d'Antsiranana. Il nous conduit directement vers le salon VIP et je me dis en moi-même que c'est sans doute le seul évêque que je connaisse qui a les clés de l'aéroport. J'ai trouvé que c'était un cadeau qui arrivait, cette chance de pouvoir partir découvrir ce pays que je ne connaissais pas et ces gens que je ne connaissais pas non plus. On se fait toujours une idée de Madagascar et de sa végétation. Et on pense à la luxuriance. Et quand on arrive sur la montagne des Français, qui autrefois appartenait justement aux Français, eh bien ce qui choque tout début, c'est le fait qu'il n'y a aucune végétation. Avant ici, c'était plein de forêts. Il y a tellement de gens qui viennent pour couper, pour faire du charbon. Nous, en fait, on veut que ça redevienne encore plus vert. Plus dense. Plus dense, voilà. Traditionnellement, la forêt là-bas est quelque chose de protégé parce que ça renvoie aux ancêtres, à la culture ancestrale. On nous a montré des actions concrètes pour reboiser cette montagne des Français. Nous avons un projet d'abord qui émane du diocèse de Monseigneur Benjamin, ce qu'on appelle diocèse vert. On veut faire un défi de reboiser et surtout en fait de susciter un réflexe écologique de tous les chrétiens d'abord, responsabiliser tous les chrétiens. En établissant cette démarche diocèse vert, Monseigneur, il veut déjà faire prendre conscience à chacun de l'importance de garder nos territoires assez verts, quoi. Que ce soit à la maison, dans les paroisses ou même ailleurs dans la région. Donc du coup, pour ça, on a commencé avec l'école verte, c'est-à-dire sensibiliser les enfants dans les écoles pour avoir vraiment ce réflexe écologique et environnemental. Et dans le projet du diocèse vert, il y a aussi ce qu'on appelle paroisse verte. Et chaque paroisse devrait avoir une petite parcelle de pépinière et que chaque paroisse doit planter. Quelquefois, on n'a pas d'eau dans la ville. Pour conserver l'eau, il faut planter, il faut garder les forêts intactes. Donc c'est à nous les prêtres, les chrétiens, de commencer à donner l'exemple à la population.
la lettre de notre pape, hein, c'est la joie de l'évangile. Et bien là, j'ai vu en acte cette joie partagée, cette joie vécue. La messe du dimanche matin, avec cet enthousiasme, cette harmonie, ils arrivent à 7 heures du matin, la messe dure près de 4 heures, et ça ne s'arrête pas. Toute la journée est donnée au Seigneur. Quand j'étais coopérant, j'ai vécu 2 ans dans une paroisse très, très reculée, on disait en brousse, on peut dire. Et dès le lendemain de notre arrivée, nous avons quitté la grande ville pour aller voir ce qui se passait dans les petits villages. Et là, j'ai retrouvé la petite paroisse de campagne, la petite église en bois, avec tous ces chrétiens motivés, rassemblés, qui nous ont accueillis dans la simplicité, mais aussi avec beaucoup de fraternité. Ce village s'appelle Jouffreville parce que le Monsieur Joffre dit cette place, ce n'est pas une campagne, c'est une ville. Quand on arrive à Joffreville, d'abord de voir ces anciennes maisons coloniales, donc certaines qui sont complètement en décrépitude, et à la fois des fleurs magnifiques, des jardins qui sont époustouflants, des animaux, de la végétation. C'est là aussi qu'on a vu cette magnifique tortue de 300 ans, cette tortue géante. C'est une ville qui est étonnante. Ici, à Joffreville, il y a beaucoup de barrages. C'est de l'eau de Joffreville qui ravitaille toute la ville de Diego. Mais ce qui est étonnant, nous, à Joffreville, ici, on n'aura pas d'eau. On n'a que 15 minutes le matin pour aller récupérer de l'eau. C'est pour cela qu'on a fait un système de gouttières pour récupérer un peu l'eau pendant la saison de pluie et pour le verser. Sinon, on n'aura pas d'eau nécessaire pour vivre ici. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens qui coupent de l'arbre pour le charbon, strictement pour le charbon. Cette question de l'écologie, oui, dans l'enthousiasme du père Gibelin, on sent passionné et il la transmet. On vient ici avec les séminaristes, les élèves, c'est pour l'agroforesterie, c'est-à-dire ce terrain, en fait, on peut planter en même temps des arbres forestiers, des plantes pour manger, avec des saisons différentes. C'est-à-dire qu'en même temps, on protège la nature avec les arbres. En dessous des arbres, il y a par exemple des bananiers, des maniocs, et ça sert dans toute l'année. C'est pour ça qu'on appelle agroforesterie. Le manioc, c'est une sorte de tubercule qu'on plante. Et on en mange beaucoup ici à Madagascar, en guise de légumes aussi. Des fois, il y a des gens quand même qui viennent pour abîmer, pour ramasser quelque chose. Il y a quand même des vols, des fois. On a besoin vraiment d'un gardien, et ce gardien-là qui fait la sûreté du champ. Il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a beaucoup de choses. Enfin, il y a un potentiel énorme, un potentiel naturel, un potentiel humain énorme. Et on se dit, on a envie de les accompagner, on a envie de partager ça et de voir les merveilles, des merveilles s'accomplir.
trois Ursulines ont été envoyées dans une région extrêmement désertique où il n'y avait rien, rien, rien. Donc elles ont fait communauté, elles sont allées voir les gens, les villageois autour. Elles ont commencé par rencontrer les mamans, faire de l'alphabétisation. Ces religieuses cherchent à avoir aussi une certaine indépendance au niveau agricole, c'est-à-dire qu'elles font leur plantation, ça va à la cantine pour nourrir les enfants, pour se nourrir elles-mêmes. Donc elles font des plantations à la fois du potager, mais aussi d'arbres pour avoir des fruits, des bananes, etc. Nous n'avons pas de l'eau, c'est nous, mais il faut prendre de l'eau là-bas, en bas. C'est difficile, mais dans des ans, on a de l'eau sur place, on va commencer à planter quelque chose. Pour nous et pour les gens autour de nous, surtout, et pour la diocèse aussi. C'est là aussi où on voit qu'elle projette les choses dans l'avenir. Le charbon n'étant pas une source d'énergie pérenne, on va dire, et puis il faut la remplacer. Elle fabrique déjà du biogaz dans des citernes, dans des cuves. Après, la fermentation de jupiers, on fait le projet GIZE. Mais ce gaz, il s'appelle ? Du biogaz. D'accord. De l'autre côté, c'est le canal de Mozambique. D'accord. On voit quelque chose qui est un peu noir. Ça, c'est une presqu'île. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. La rencontre chez les bénédictines a été pour moi un moment fort, un moment capital. Dans ce lieu où ces femmes avaient réussi à installer un oasis. Je trouve que vous avez vraiment un très beau jardin. Ça semble être vraiment un petit bout du paradis. Moi, je ne vois pas que c'est encore le paradis, mais c'est le chemin qui y mène. Mais le problème, c'est que quand on est tout près, on joue, on passe par-ci, par-là. Mais quand on est loin, on court. Donc, on ne sait pas qui va arriver le premier. Est-ce que c'est qui sont tout près ou est-ce que c'est encore très loin? Et ce qui est extraordinaire aussi dans ce jardin, c'est l'harmonie qui règne. On a vu un serpent, on a vu une araignée. Et puis, ma foi, on se croise, et tout le monde vit tranquillement ensemble. On a l'impression ici que toute plante produit une fleur. Cette plante-là, c'est la vanille. Mais là, on ne voit pas de gousses parce que ce n'est pas encore la saison, mais juste du feuille et des tiges. Il y a une plante qui l'aide à pousser. C'est comme ça qu'on cultive la vanille ici. La vanille est une plante grimpante qui a besoin d'un autre arbuste grandir. Tout le monde accueille la vanille quand elle est encore verte. Et puis, on va faire cuire avec de l'eau. C'est là qu'on va avoir l'arôme. L'arôme. Au niveau de la cuisine, vous cuisinez comment? Avec du bois seulement pour le moment. Quand on a mangé du gratin dauphinois. Mais comment ils le font, quoi? Ils s'enfourent, je ne sais pas comment ils ont fait. Si on voit ça, on reste là? Non, ce n'est pas qu'on reste, mais il faut partir, mais il faut qu'on reste. Ça va. Si vous êtes piqué par n'importe quelle bête, vous prenez un peu de jus seulement et vous mettez là-dessus, ça va. L'une des clés en fait qui m'a fait découvrir le peuple malgache, c'était de rentrer en communication avec les enfants. La rencontre des écoles, c'était retrouver les enfants qui m'avaient fait découvrir cette île et ce peuple malgache. On a vraiment voulu aller en brousse et voir, donc découvrir des écoles urbaines et aussi des écoles de brousse. Pour protéger la planète, ce que j'aime bien faire, c'est empêcher les gens de jeter des trucs sales et tout pour protéger l'environnement encore plus et protéger encore plus notre école. J'aime vivre à l'école parce qu'il y a beaucoup de choses que tout le monde ne sait pas. Parce que notre environnement aujourd'hui, c'est presque détruit. Est-ce que même dans la pastorale, dans les cours d'éducation chrétienne, est-ce que aussi il y a quelque chose de fait pour que les enfants puissent conscientiser par rapport à la création, par rapport à l'œuvre de Dieu? Tout à fait. Dans le cours d'éducation chrétienne, on part vraiment de la Genèse. Chaque fois qu'on touche l'œuvre de la création, on fait toujours
une sorte de descente vers ce qu'on vit aujourd'hui. Ce n'est pas simplement parlant des choses il y a longtemps ou avec Dieu comme ceci, comme cela, mais et nous maintenant, qu'est-ce qu'on a hérité? C'est-à-dire que revenir sur terre, là où on est inséré aujourd'hui. Dans chaque matière, il y a une partie qui touche l'écologie et l'environnement. Si on ne motive pas dès maintenant, donc nous n'aurons pas la conscience pour protéger l'environnement. C'est ça. Mafaka boul diabe, menara tsara. Là, un monsieur d'un certain âge, les larmes aux yeux, nous disant « Nous n'avons qu'un livre par classe et par enseignant. Les conditions d'apprentissage sont difficiles. » Par exemple, on a quelques livres, trois livres à l'établissement. C'est à nous de la classer chez nous. Oui, on est là pour faire la sécurité des livres, quelques autres, parce qu'on est responsable. Il y en a des livres qu'on peut lire ici, vendus sur le trottoir à Tanage. Ben oui. Au-delà du volet matériel, il reste quand même le problème de la formation des jeunes enseignants. Ce qui serait intéressant aussi, c'est que tous ceux qui ont suivi les formations deviennent formateurs de quelqu'un d'autre. Je crois que c'est très important aussi qu'on fait des formations, mais des fois aussi, est-ce qu'il y a vraiment une pratique et comment on va évaluer ce qu'on a fait? Et donc du coup, il faut vraiment un suivi, une évaluation. Ça, c'est très important aussi, ça motive aussi. Ils ont éveillé ma curiosité parce que les méthodes sont très différentes. C'est-à-dire qu'on est dans l'oralité, donc chaque classe, je serais quand même curieuse de savoir comment ils font pour faire passer le théorème de Pythagore en ayant juste pas de livre, juste un tableau et une craie, par exemple. Pour moi, ça serait intéressant parce que les Malgaches, ce sont aussi des bons scientifiques, donc ça prouve que ça marche. Qu'est-ce que tu aimes faire à l'école? J'aime faire les maths. Toi, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grande? Moi, je voudrais être hôtesse de l'air. Je voudrais être docteur scientifique. Pour toi, qu'est-ce qu'est être heureux? Être heureux, c'est d'être aimé par les autres et ensuite les aimer. Les aimer aussi et aider les autres. Et aussi être entouré de notre famille pour être encore plus heureux. En parallèle de nos visites de paroisse, on a vu aussi des initiatives individuelles, des jardins, entre autres chez une paroissienne et chez un médecin. Ils nous ont présenté des jardins idylliques et montré à quel point Madagascar était un pays extraordinaire où tout est possible. Il faut dire qu'Antiranana était un point d'escale des navires français, donc il y avait toute une infrastructure. Aujourd'hui, c'est une école technique, à sa tête un directeur, et qui a ce côté surprenant qu'on retrouve tout à fait dans notre enseignement catholique, hein, qui est d'aller à la rencontre du jeune, d'aller dans le rejoindre dans son parcours, dans son questionnement, et puis lui proposer une formation, une réflexion, qui vont lui permettre de devenir un homme, tout simplement, puis un homme debout, et qui a du travail, et qui est dans la verticalité. Madagascar, c'est un pays, moi je pense que c'est à peu près comme les îles, multicolores. On accueille tout le monde, toutes les religions, parce que les religions se mélangent. Ces jeunes vont vivre leurs rêves et n'ont pas rêvé leur vie. Une fois qu'ils sont pris dans la nasse, comme on dit, comme quoi ils peuvent changer, ils peuvent gagner de l'argent avec les concours, bien sûr, de toutes les corporations possibles, comme les bonnes sœurs qui étaient venues ici. Comment on a pu transformer ces jeunes qui sont très agressifs, des assassins, n'est-ce pas? Et tout d'un coup, ils sont devenus des gens responsables. Le peuple malgache, il est accueillant par nature. C'est pour ça que des gens comme le père Marchine, ils y sont tout à fait à l'aise. C'est pour ça que nous, quand on y va, même si on est Vaza, on restera toujours les Vaza. C'est pas pour ça qu'on est exclu et on est accueilli à bras ouverts. Et tout le monde y trouve sa place et ensemble, je pense qu'on peut faire de grandes choses. Le père Martin, c'est là aussi complètement paradoxal. Un monsieur, un père âgé, fragile, qui semble devoir être emporté sans arrêt par le vent. Et puis ce colosse de foi qui ne s'arrête pas, qui ne faiblit pas, qui plante et puis plante et puis plante encore et vous encourage à le suivre et à voir leur réalité est dans cette fragilité. Après notre réunion, je viendrai avec l'eau
des bidons de l'eau, je vais arroser chaque semaine et je vais mettre des herbes ici pour les protéger. Hein? Baobab. Après une année, ça va bien pousser, on peut laisser tranquille. Hein? Baobab que nous avons planté. Cet appel qu'il a eu à 72 ans, il a tout quitté et il arrive dans ce lieu désertique, au milieu du vent, au milieu de nulle part. Et il bâtit une petite maison avec un autre prêtre. Et son enthousiasme au milieu de ce lieu qui est vanté, désertique et sec, et ben, c'est touchant. Le pays vous a émerveillé, donc je me suis dit, ces gens qui viennent de très loin, très 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 loin, s'émerveillent, admirent ce pays. Alors moi ici, pourquoi pas moi? Je dois admirer aussi ce pays. Je dois aimer ce pays parce que ce pays est beau. Tout le monde le voit. Dire ça signifie aussi donc avoir une conviction de protéger ce pays, de le protéger. Alors moi, en premier, je vais le protéger. Je ne m'attendais pas du tout à ce que la venue de Clermont me permette moi aussi de mieux appréhender ma propre mission, me redonner un élan pour avancer, aller plus loin et puis essayer de donner le meilleur. Nous n'avons jamais choisi sur une liste des diocèses disponibles celui d'Antsiranana. Et je pense que vous n'avez pas choisi non plus sur une liste de diocèses disponibles celui de Clermont-Ferrand. Un hasard extraordinaire a fait que le jour où Mgr Benjamin était de passage à Paris, j'étais de passage à Paris et nous avons pu nous voir très rapidement, très facilement chez les lazaristes rue de Sèvres sans que nous l'ayons prévu. Une joie totalement gratuite parce qu'elle n'a pas été prévue, elle n'a pas été calculée, elle n'a pas été organisée. De tout cœur, un grand merci pour votre accueil ici à Antsiranana. Croyez bien que vous serez toujours les bienvenus à Clermont. C'est parti pour Clermont-Ferrand. Grand décollage. Oui. Bonjour Benjamin, quel souhait pour vous. Moi aussi, un plaisir. Oui. Bonjour. Avec le foie. Et quand il y a eu donc cette rencontre entre les deux frères, c'est là qu'a commencé donc la graine. C'est pas seulement un projet d'environnement. Non, c'est un projet d'écologie intégrale, de développement de l'homme et de tout homme. Le diocèse a besoin aussi d'être accompagné. Les richesses minières se trouvent dans des parcs réservés et les gens détruisent les arbres. Tout seul, nous n'y arriverons pas. Mgr Calliste a répondu positivement pour sauvegarder cette maison commune entre l'environnement et les hommes. Merci pour cette initiative et ce très beau début de rencontre. C'est vraiment magnifique. De danser tous ensemble, bref, d'aller à la plage ensemble, c'est inimaginable chez nous. Alors, on veut dire le décalage. Et ce n'est qu'un petit peu.